cortes y la vida loca. La plata pour Signor Guzman. Mimo dos Mona Lisa. On prend le billet pour l'Amérique. Hermano transacte de cocaïne. Merci pour les travaux et sur le mat. Le business de l'eau convainc toutes ces femmes. On trahit jamais la famille. L'équipe est complète, tu vas te manger par gâteau, on va dépouiller. La coca des cailloux va s'implanter déjà au pays dans tous Los Santos. A ton grand malheur, si tu joues avec ces couronnes, tu vas décéder. Des gains de hombrero, des croix qui maintenant c'est Alejandro, espèce d'enfoiré. Quelle danse maladina, c'est primo dans tes oreilles, c'est primo dans tes oreilles. Calo Perico, on débarque dans la ciudad. Para el patron Guzman, on met les mains dans le sac. Calo Perico, on débarque dans la ciudad. Para el patron Guzman, on met les mains dans le sac. Depuis Pequeño, c'est la calle, y'a pas de putos qui se font rafaler. Cario à la main, loin de cette ville, de puta madre. Depuis Pequeño, c'est la calle, y'a pas de putos qui se font rafaler. Cario à la main, loin de cette ville, de puta madre. Nique sa mère, la vie d'avant, on veut le trésor, on prend de l'avance. Juste faire danser la samba, c'est primordial de faire les 100 pas. Ah oui, n'essaie même pas de rentrer dans l'île, ça va te canner, on va te pourrir. Tout pour ta vida, tu seras endetté, il connaît l'ombre de la caille. Nos terres sont en danger, on fume la frappe des ténèbres. Dans tes duels, ça crie m'aider, elles se sent en danger. Duel de me har en me har, ça pète le labo de l'Omar. Pourtant j'en ai marre des gifles dans les caves. Ils font le 911, c'est gros sur mon cave. Quelle danse maladina, quelle danse maladina. Cayo Perico, on débarque dans la ciudad. Para el patron Guzman, on met les mains dans le sac. Cayo Perico, on débarque dans la ciudad. Para el patron Guzman, on met les mains dans le sac. Depuis Pequeño, c'est la calle, y'a pas de putos qui se font rafaler. Cayo à la main, loin de cette ville, de puta madre. Depuis Pequeño, c'est la calle, y'a pas de putos qui se font rafaler. Cario à la main, loin de cette ville, de puta madre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. C'est bien le bonsoir. Non, parce que désolé, je suis en train de faire un truc en même temps. Parce que j'ai mon bot de mon Discord qui, je sais pas, il est en PLS, ce con. Au lieu de faire manuellement. Voilà. Oui. Alors, bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, bien, bien. Début de live assez tard, c'est normal. Le jeudi, c'est football. Donc, du coup, tant que je rentre, il faut un petit peu de temps. Mais je suis à l'heure. J'ai disons 5 minutes près parce que j'ai un petit souci, je sais pas, faudra que je fasse gaffe à ce que je fais la prochaine fois quand je fais des trucs sur Fire Emblem. Coucou Yaya, tu vas bien Yaya? Ça va? Comment tu vas? Ça va Yaya? J'ai vu un monster, tu m'as donné moi je suis au tropical. Après je vais partir en monster. Et puis j'ai pas encore mangé, tu vois, j'ai faim, tu vois, t'imaginer. Donc voilà, j'espère que tu vas bien, ça va bien. J'ai trouvé un truc intéressant, je te ferai... Tu vas voir. Tu vas être surpris. En vrai, j'ai le sourire parce que je me dis, si j'y arrive, je suis content. Donc voilà, donc on va continuer ce qu'on est en train de faire. Hier, on a eu les clés du labo, on a eu un rendez-vous illégal. Bon, on devait choper quelqu'un, mais bon, voilà, sans armes, c'est un peu compliqué, donc du coup, on n'a pas fait, mais on a eu les clés du labo. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. En RP, Diego est toujours un peu énervé contre certains, entre guillemets, il attend un peu, je pense qu'à mon avis, il va taper du poing sur la table. Toujours aussi à la recherche de sa sœur, également. Et là, on va voir ce soir ce que ça va donner. Bien, on va bien voir. Donc, on va aller direct ensemble... Les messages, alors attention. Voilà, salut, désolé, j'avais perdu mon chargeur. T'inquiète pas pour moi, je me sens bien là où je suis pour l'instant. Je reviendrai
T'inquiète pas, mais pour l'instant, je profite un peu, tu vois. Mais non! T'es la pire. T'es la pire. Ah, bordel, le majuscule. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pouf, pouf, pouf. Je sais pas s'ils ont tous les trucs. Va, via, quand. Franchement, on peut pas être sérieux. Tu le dis souvent, mais c'est vrai. Hein, j'ai beau le dire et tout. T'as beau le dire. Nous le lisons et malheureusement, nous pouvons pas faire mieux que ceci, que cela. Alors, Diego, je ne dirai pas à quoi je peux. Hein? Toi, tu vas voir, ouais. T'as ta chance parce que du coup, ce que je veux dire, ça va. Censuré, tu vois. T'as de la chance. Voilà. Ah là 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 là. MDR, ouais, tu vas voir, MDR, ouais. Tu vas voir. Ceci, dandy, ça c'est fait. Maintenant, radio, 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 radio. Et toi, le chat, tu t'es mis là, mais tu vas me gêner, mon petit camarade. On va continuer un peu, hein, tu vois. Ya, 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 ya. Ah, c'est comme ça fait. Oui. Pouet, pouet, pouet. Ya, ya. Pouet, pouet, pouet. Ah, allez, mange, toi. Voilà. Voilà, il y a des mônes, c'est en la lionne. Tu vas pas me dire que je suis le seul con quand même? C'est là, il y a du monde sur la radio, comme tu dis. Ça c'est bah, c'est perfecto, c'est du monde sur la radio comme je dis. Par contre, pour le permis, c'est vraiment une querelle de miel, hein. Qu'est-ce que tu me racontes pour le permis? Ah, je suis passé, il n'y avait personne, je suis allé passer le permis. Et, le code, c'est 800 $, il l'ai passé 4 fois parce que je suis une quiche. Colomba, il n'y avait pas de code de permis, je sais pas trop quoi, là. Merde, il a balancé 10 000 dollars pour une putain de permis de voiture. T'entends te foutre de ma gueule ou quoi là? C'est comme ça, tu ne sais pas le code, tu ne sais rien du tout, tu te sers la quoi, tu te sers la quoi. Ça veut dire que j'aurais oublié, tu donnes à manger au cochon, là quoi tu sers. Par contre, fais attention à ce que tu dis. 30 000 dollars hier, d'accord? Ça c'est bon, faut bien que tu saves quelque C'est chose. sûr, hein, c'est sûr. Toi, à part sucer les cochons, tu sais rien faire d'autre. Allez, bonne soirée à toi. Ça c'est bien moi de l'en face, tu vas voir qui c'est qui va saucer qui, une espèce de pandero. Et parle, cogno. Ta gueule, dis-moi un peu ce qu'il a de prévu là, Gustavo. T'as des nouvelles un peu ce qui se passe et tout. Hier, ça s'est bien passé. T'as pas de problème sur le laboratoire. Ah, fallait être là. Il de putain, je te demande de poser une question. Maintenant que moi ça va bien. Allez, je vais les soulever tous. Je vais les tous les soulever. En plus, j'ai pas mangé donc. Du coup, tu fais quoi là? Parce que s'il y a rien à faire, moi je fais autre chose, hein. Ok, d'accord. Le souci. Des règles alors. Le souci des règles alors.
aussi des règles. De quoi? Pourquoi tu marques ça? J'ai pas compris. Ah merde! Putain, D! Mais non, putain! Le souci est réglé alors. Bah écoute. Réglé. Ça dépend de quoi tu parles, mais alors j'ai l'impression qu'il y a rien qui est réglé. Ah, D, mais. Tu m'expliques comment ça se fait que dans le Call of il y a vraiment, vraiment strictement plus rien à part une putain de bouteille. Il faudra dire au souris d'arrêter de tout manger là. T'as tellement de me dire que vraiment on n'a plus rien, il y a comme des putains de trous de cul là. Si, être ça parce que nous on allait travailler un poquito hier soir et rien du tout. Voilà, il y a tant de nouvelles pour tout me repasser, tranquillo. Ça c'est d'accord. Donc. Du coup, on est là, sans être là, d'accord, c'est pas magnifique. Fais quoi? Je peux rien faire? On peut rien faire là? Là, vraiment, là, c'est pas de mauvaise foi là. On va aller pêcher le diamant qui est ici là. Je comprends pas. Là, c'est. Y'a plus rien! Si d'ailleurs, toi des nouvelles de Moutal, toi? Je veux le garder là. Parce que là, il est vu sur le plan de Moutal. Non, il n'y a pas de nouvelles, c'est un collègue. Il n'y a personne qui va nous parler aussi, c'est pas de merde. J'ai hâte de t'allumer parce que tu vas voir ces petits Seven Banks de miel de là. Il y avait les signes à sang comme leur couleur, là. Bordel. Des nouvelles de ta soeur, ok. Ça, comme on dit, j'ai hâte aussi de voir les je sais pas trop quoi, les bang bangs, je sais pas trop quoi. Là. Les nouvelles de ma soeur, ça y est, maintenant vous commencez à vous inquiéter un poquito. Ah, c'est bon, il demande si elle va sortir là un jour de sa chambre, merde. T'inquiète pas pour elle, t'inquiète pas. Ah, c'est bon, au bout d'un moment, il va falloir s'inquiéter un poquito quand même, hein, parce que bon. Ah non, bah bon, faut bien qu'elle mange, qu'elle boive et tout, non? C'est, je te le dis. Y a pas de problème, t'inquiète pas, elle va te très bien. Voilà. D'accord. J'ai mis un message pour le motel, à mon avis, je pense pas que j'aurai de la réponse, hein, comme toujours là. C'est perfecto, perfecto. Miel, ton message te le met sur le truc où il y a tout le monde. Ah, c'est Maria Ortega qui a dit que ça ne dérangeait pas, donc moi j'en ai poquito rien à foutre parce que j'en ai marre de tourner en long. Eh, mais ça se trouve, il regarde même pas ce truc là. Tu m'aurais dit tout à l'heure, il y en a 3, il a dû scouter pendant 45 minutes avec eux presque pour le permis, il aurait pu lui demander au numéro, Miel là. Ça c'est bah écoute, je vais aller balader un peu au centre-ville de Los Santos, je vais voir un peu ce qu'il a. Honnêtement, je peux promener s'il a rien. Je pense que je sais pas ce que je vais faire. Hein. Vas-y, si on peut rien faire, je vais pas jouer bêtement. Hein. Je vais pas faire RP AFK quoi. What? Ouais, il aimerait bien acheter un coaché là. J'en ai un avant, un galage et tout. Ok, toi dis quoi? Merde, j'en ai où dans le galage à vendre, c'est trop. À vendre. Tranquillo. Garde là ta putain de voiture et c'est pas ça que je veux. Le truc qui l'a sonné.
RP voiture, non, bah non, mais pas trop chaud là, je sais pas, je vais voir un peu là, à moins qu'ils ont répondu là. Salut négatif pour le moment, pas de tête pensante. Ouais, vas-y, vas-y, y a jamais de tête pensante, y a jamais personne! Bah écoute, t'as pas oublié le biker, il est sur les uns qui n'a pas de tête pensante, c'est pas croyable. Si, bah tu demandes de voir tout le monde alors. Justement, en fait, c'est qu'ils veulent nous voir, mais avec leur chef. Donc, après, il n'est pas là, je sais pas ce que tu as fait tout à l'heure, manque de bol. Hein. Pas croyable. Ouais, je vais faire un petit tour, un peu sur si c'est quelque chose de ouvert, je sais trop quoi et tout. Enfin... Ah, je me suis dépêché pour lancer un live et tout. J'ai dit, putain, on va pouvoir faire des choses. Le souci va être réglé. On va pouvoir s'amuser. En fait, non, en fait, le souci n'est pas réglé, quoi. Tu vois, c'est un complicado, on va dire. Peut-être me calmer quand même sur la conduite, hein, on va se mentir. Oui. Tu veux rigoler, les Seven Banks ils sont en place des câbles en même temps, c'est des idiots. Si, je sais, il y en a un qui m'a proposé. Tu sais quoi, il y en a un qui m'a proposé de venir. Il s'est pas intéressé. Il fait, allez, viens, ça le mêle, je sais pas quoi. C'est pour ça, il t'a dit, il a hâte de t'armer et on va régler nos comptes avec eux. Ils vont voir là. Dis-moi, tu es où? Parce que tu te laves et tu te casses quand les cailloux là, vraiment? Non, non, il me balade, hein. Merde, tout à l'heure, je te cherche à appeler quasiment comme un trou de cul. Ouais. Ça va m'agacer. Vas-y, je retourne à la ville là. Mais... Et d'accord là. Faire un café pour l'instant, je crois. Je sais pas, je pense que je vais pouvoir faire. Je passe ou pas? Ça va être une soirée qui... Qui va être tendue. Zakoman, merci pour le flow, merci, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, profite de la soirée. Comment tu vas? Bienvenue à toi en tout cas, hein, encore une fois. Présente-toi à la communauté, vas-y, nous t'écoutons. Salut, je suis nouveau sur le serveur où t'es. What? Mais comment ça? Comment ça? Tu demandes où je suis? Tu sais que ça s'appelle du méta ce que t'es en train de faire là? C'est. Là, parce qu'en même temps là je galère là en même temps en plus là. Absolument.
Salut, je suis nouveau sur le serveur. Où t'es? Ah! Ah merde, ok, d'accord! Ok, d'accord, ok, non, j'ai pas compris comme ça, ouais. D'accord, ok. Ok. Ah, Yaya, attention à toi, je vais te soulever, toi. Ah, désolé, je sais pas, tu vois, là, je... Ah bah écoute, là, et dis-moi que c'est un civil, et pitié. Ouais, est-ce que tu fais du civil, tu vois, à tout hasard? En tout cas, bienvenue à toi, hein. Là, bah tu vois, nous, c'est le cartel, moi, c'est un peu chier. En tout cas, désolé, hein, désolé, je retire ce que j'ai dit, du coup, voilà, je le retire. Je vais te raid en fin de soirée. Cartel de mêlée. Ouais, le CCP, enfin c'est le CP, cartel Carioplay, quoi, tu vois. Ah, mais t'es pas obligé de me raid, hein, t'inquiète, non, non, fais, tu vois. T'inquiète donc pas, tu vois. C'est gentil de ta part. Tu n'es pas obligé, loin de là. Tu stream aussi, du coup? Bah ouais, putain, sinon, je suis con. Et toi, tu fais quel type de RP Et un don à suivre. What? Non, t'es vraiment pas obligé, non. Faut pas, moi je fais pas ça pour ça, tu vois. Par contre, t'auras plus de 300 personnes. Quoi? Ah, arrête, je suis pas prêt pour des conneries comme ça, moi. Je suis pas prêt pour des trucs comme ça, moi. Ça va pas ou quoi? Je suis pas prêt, moi, pour ce genre de choses-là. Faut pas faire ça, parce que moi, mon petit cœur... Voilà, tu es connu. Tu es connu, vraiment, c'est vrai? Tu es connu, tu... Connu comment? Personnes, tu fais aussi du RP du coup, tu fais quel type de RP? Ah ouais? Et non, mais voilà, t'imagines à 300 personnes là, c'est là, du coup, t'imagines, tu fais ça là, ça annonce des choses de ouf. RP légal et illégal, ah ouais, tu fais partie de quoi? Biker, une organisation, ce genre de choses. C'est ta communauté, ah ouais. Ah ouais. T'as une grande communauté, dis donc. Ah, si tu peux, tu vois, ramener des gens sur le serveur, à la rigueur, tu vois, en plus, ce serait... Voilà, quoi. Petite. 300 personnes, tu vois, c'est pas petit, quand même. Tu vois. Mais ça fait plaisir, c'est gentil de ta part, en tout cas, vraiment, franchement. Écoute, le jour que tu es en live, bah, je passerai, hein, c'est le moment. Déjà fait, ils arrivent demain normalement. Ah ouais? MDR, ouais. Ah ouais. Désolé, hein, mais j'ai du mal à y croire en fait, tu vois. C'est... Ah, parce que 300 personnes, tu vois, je... Comment dire, comment on peut balancer 300 personnes? Enfin. Tu vois, c'est. Vraiment, où tu me titilles là, tu te dis, ouais, vas-y, tiens, et tout, tiens, lui, je l'emmerdais un peu et tout, voilà, ceci, cela. Ouais. En tout cas, si c'est vraiment vrai, bah écoute, merci de ta gentillesse, j'ai envie de te dire. Ah ouais, après, si t'arrives à ramener du monde, bah il faut des gens du côté légal, c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois, clairement. Oui, voilà quoi, hein. Eh bah. Bon, il est où, Mister, là, j'ai entendu. C'est toi qui est arrivé avec une vidéo call, j'ai entendu une vidéo call. Non, je crois que c'est le pape. Merde, attends, je vais te le soulever, c'est quand tu me casses les colonnes comme ça, c'est... Hein. C'est légal, MDR, c'est vrai. Blablabla. Légal, oh, bien, des gens légaux du côté légal, c'est cool, ça. C'est cool. Il est où, ce con? Tu fais l'Africain, MDR? Non, ah, te moque pas de l'accent et c'est déjà compliqué pour moi. C'est un Colombien, tu vois, multifonction. Ah mais vas-y, je suis fou quoi. Ouais, mais par contre, du coup, vu qu'on a plus, on a plus rien, on a plus les clés, on va se faire chier là, en fait là. C'est, on va voir ça dans combien de temps là. Parce que du coup, on est un peu. Du Québécois multi-africain.
Et c'est voilà, c'est le pur accent colombien, c'est du fin fond de la Colombie, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais, bon. Ah là, en vrai, je sais pas quoi faire. Hein. Parce que là, on est un peu emmerdé, là, on est bloqué, là. On est bloqué. On est bloqué parce que du coup... On est un peu kéblo, hein, clairement. Mais moi, je vais pas faire du RP, je tourne dans une maison, ça va me saouler un peu là, clairement. Tu aurais dû attendre avant de lancer le. Ouais, bah ouais, mais. Tu sais pas, sur le coup, tu vois, j'ai pas pensé, tu vois, tu sais, clairement. Ouais, je savais qu'il était dessus, mais je pensais que c'était réglé, moi, tu vois. C'était réglé, je me dis là, tout le monde va être là quoi. Là au final, bah y a que Babar quoi. Babar il tourne en ville, du coup c'est un peu la merde quoi. C'est un peu la merde clairement. Un peu la merde, ouais, ça peut aller, y a rien qui est réglé quoi. Je regarde un truc en même temps. Ouais, non, c'est pas réglé quoi. Rien qui est indiqué. Mais de quoi, c'est quoi, de quoi, c'est de quoi. Osman a deux personnes, mais merci pour le raid, merci, c'est gentil de ta part. Il fallait pas, ça fait. Ils vont arriver les poteaux. Mais merci, ça fait plaisir pour le raid, c'est vraiment gentil de ta part, c'est vraiment cool, bienvenue aux amis de Mister Man, tu vois. Chose faite. Ah non, mais franchement, ça fait plaisir, c'est gentil de ta part. Bon, je pense pas qu'il. J'espère que vous aimez, donc je peux vous faire visiter la maison si vous voulez. À toi là, mielda. Va se passer le tour de cul, tu vois. C'est ça que j'ai. Franchement, j'ai pas le tour de la tête à rigoler parce que j'ai l'impression qu'on entend le tourner en long depuis 3-4 jours et à la fin, je commence à voir le tourner. On va travailler un poquito alors. Bah, il tourne pas, hein. Il fait des choses. Mais si je me fous, tu me. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. A tout ça passe, c'est Felipe, Nike, Luis, Ah non, non, Felipe déjà il sera pas là, il est parti voir un chica en Colombie et il revient demain. d'accord. Problème, mon frère c'est un gros bâtard, donc il sait pas quand il est là. C'est pareil, comme ça, bah t'es pas tout seul. Si bon, on sera trois alors. À côté, c'est pas un truc de Kevin, mais le délai en face, là, c'était des colonnes. Ah, moi je travaille haut, donc désolé. Il me branle pas les couilles à la casa. J'ai pas de me salaire, je suis pas là pour travailler, là. T'es là pour travailler à ma place, justement. Ouais, bah ça va être tendu, Si, hein. bah du coup on n'a même pas besoin de toi pour le moment alors. Ça c'est, bah du coup on n'a pas besoin de toi non plus, du coup alors pour le moment, ok là, Si, vas-y. c'est moi qui travaille. Ah si, moi je travaille là, tout quoi, ici où? J'ai vu quelqu'un, je suis pas sûr. C'est un PNJ ça vraiment? Je te vois. T'as tout trouvé ça drôle, tu crois que j'ai le temps de m'amuser vraiment?
Trop. Voilà, pour là, il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui se passe hier? Il est où? Où ce con? Bah, ma tête te cache. Non, non, tu vois, il arrive. J'ai trouvé des trucs dans une poubelle ou une clé, etc. Il arrive. T'es sérieux de ce que tu es en train de me dire là, vraiment? Ah, si, j'ai trouvé des clés dans une poubelle là. Il est juste à côté de moi. Si, por favor, tranquilo. Je comprends plus rien. Dévoile dans le coffre, est-ce qu'il y a encore un truc ou pas, par favor? Normalement, il reste une bouteille d'alcool. Juste ça. Hein. Je vais te le dire ça directement. Parce qu'il faut un test tout à l'heure, je l'ai mis ce matin, donc pour voir si ça bouillait ou pas. Donc dis-moi si la souris est passée ou okay. Une bouquette de Jack Daniel, ça, je peux t'attraper ça encore. D'accord, il va poser des trucs, il arrive. En fait, ouais, j'aurais dû attendre, clairement, j'aurais dû attendre parce que là, je vais. Hier, on a travaillé un peu avec Louis, on a ramené 400 feuilles de coca, il faudra aller les traiter. C'est vrai, tu comment sans clé? Ok. Le dis-moi, il était pas entendu, Diego. Tu voulais traiter comment si on n'a pas de clé pour le laboratoire? Eh ben, c'est ce que je viens de dire. Il trouve une clé dans la poubelle. Viens de là. Tu fous de ma gueule quand même. Demander que t'es le seul trou du cul au monde à trouver une clé dans une putain de poubelle et la clé dans le laboratoire. Ah si, si, écoute, il y a de la chance, il y a de la chance, hein. Demain je joue à l'Euro Million, je te rassure. Et c'est sûr que je veux gagner que 1 dollar, hein. J'en peux plus, moi! Il y a une autre clé. Voilà, alors il dépose tout. Quoi, ouais, voilà, ouais. Dans une poubelle! Ah, mais est-ce que dans la poubelle tu l'as trouvé aussi tes colonnes ou pas? Non, il est trouvé au fond de ta gorge, là. Continue, continue, Gustavo, continue, Gustavo. Tranquille, il rigole avec toi un seconde, C'est tranquille, tranquille. bientôt on va avoir des petits trucs qui vont potentiellement beaucoup intéressants. J'ai hâte de voir comment je m'en servir. Si, de tes colonnes. Allez, Non, venga. non, 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 non. Je vais le soulever. Je vais le soulever. Mielda, tout est sérieux? Qu'est-ce que c'est le Si, problème? c'est un coffre de 600 kilos. Attends, y arrive. Comment ça, 600 kilos dans le 4x4? Goût forme. Oh, Là, si, c'est 200 kilos à secondo, mais comment? t'es en train de te foutre de la bagarre quand même. Là. Ah, you te le parie sur ma pelle de couille, vraiment. Si, parce que Putain, on en met où dans les rétroviseurs, dans les loups, dans le pot d'échappement, quoi. Il pense que tout est caché en dessous. Et après, C'est là, pas tu peux une la mettre cachette. Hein. les sièges. Attends, je regarde s'il n'y a pas un clocher pour mettre un semi en bloc, on ne sait jamais, là. Ah, si, d'accord. Dis voilà. C'est. Tu penses qu'une pétale, ça serait combien en dollars? Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je voulais voir un peu les bikers, pour savoir un peu le prix. Je sais pas du tout, mais moi je dirais Et entre parce le que 15 et 30 000. c'est tout une pétard. C'est. Mais là en Colombie c'était 1000 pesos ou un truc comme ça, je sais pas où. Allez, c'est, On avait écoute, ça. hein, tout est cher là. Putain, Je suis certain que tu dois aller chez les tuiles de la maison, tu les vends 5 000 dollars l'unité.
D'ivoire, pendant que là il va aller travailler un peu sur la coca, pour faire des tours de temps en temps autour si personne se réveille ou des trucs comme ça, ok. Ça c'est vas-y, je vais te le suivre. Tu planques qu'elle veille au cool. De l'eau qu'il y a à côté de toi, vu que tu peux mettre 600 kilos dedans. Merde. Il est où l'autre véhicule? Tu l'as? Derrière, il est caché un poquito derrière, comme ça. Vas-y, vas-y. Laisse on 6-6, hein, tu peux prendre un shafter, comme ça tu fais des tours environ en même temps. Je vais pas tourner vraiment, je n'aime pas tourner en long en plus. Donc, Ben, tu sais quoi, tu vas monter avec moi, on va aller faire une petite tenue pour travailler et on va aller ensemble travailler la coca, non? une petite tenue, je dois en avoir une déjà de base, vite fait. Et mets une tenue, un jogging, des autres chaussures parce que là, les chaussures là, comme ça, tu vas les J'ai niquer. pas là, c'est pas ça comme tenue. Attends, je vais D'accord, chercher. c'est. D'accord. Moi, j'ai pas envie de. Lancer un stream pour farm, c'est pas ouf quoi en fait. Pour ça, je me serais mis en off et voilà quoi. Ah, ça m'énerve. Si je veux cacher l'endroit, MDR, c'est mieux que le RP. Ah, mais si je veux cacher l'endroit, ouais, mais si je veux cacher l'endroit, vas-y, je fais quoi là, sérieux? C'est une question. Ouais, mais je sais pas, je pense pas. Hier, on l'a pas caché en fait. Ah, mielda, toi, pas de gants. C'est pas grave. Fais attention à pas te couper ou à te piquer, d'accord? Si, c'est pas, tu as déjà travaillé sur la coca, sur un champ d'exploitation, etc. Vamos, Si. vamos, vamos. Non, je pense pas, je suis pas sûr, enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais hier, j'ai rien caché, donc j'ai même pas pensé hier, donc dans tous les cas. Pas donné le réfléchir un Et poquito puis même, en fait, c'est une clé pour le laboratoire, donc dans tous les cas, ceux qui ont ils ont pas la clé peuvent rien faire. Believe I can fly. Sungu, va falloir que tu mettes une masque hein, quand on s'appelle là-bas. Ah, c'est pas grave si je me fais clamer, mais toi, c'est un peu plus grave. Hein. Bon, je vais me caler, vas-y, ça marche, cale-toi tranquillement et tout. Bon, après, moi je farm un peu, mais s'il y a que ça à faire, je vais pas stream longtemps, je vais me poser sur quelque chose que je dois faire absolument, surtout. Bon, voilà, peut-être qu'au final, tout le monde va arriver, je sais pas. Non, Clément, il est pas là au final ce soir. Bon, il y aura le personne, allez, vamos. J'ai pas de sac là. Ok, d'accord, bon.
tout on cale un peu par le tout sur toi, ton pas de sac. Alors, je vais regarder justement, justement ça m'a répondu à mon truc, et hyper important. Et là. Voilà. Pas encore répondu. Et au moins c'était un peu bouillon, un poquito. Hein. D'Ivoire, tu te rappelles du laboratoire aussi, l'emplacement. Disons que je suis loué un poquito. D'accord. Parce que ça y est, tout à l'heure, il s'est mis presque 25 minutes à regarder si il voyait pas un truc dessous. Et personne, rien du tout. D'accord. Tu connais la malle de la voiture, papa? Laquelle? La rouge, là. Tu regardes sur le... à l'intérieur, ça me dit que... C'est d'accord. C'est la voiture de jardinier, 600 kilos. Si, pour mettre tous les trucs en terrain, les produits, le matériel, etc. Moi, il me dit si jamais on va au laboratoire, il va falloir qu'on soit armé. Oh, du coup, là, mon lavé, c'est pour ça. Là. Là, pour l'instant, juste ramasser, tranquillo. Et dès qu'on a au moins une arme pour le défendre, on traite tout direct. Hein. C'est. La li la 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 li la 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 pa, pa. Merde! Mais arrête! Il y a plein de temps qu'il l'a tout, c'est le business qui commence. On a déjà la coca, il nous manque plus que les armes. Et après, c'est bon, on est prêt pour partir. Hein. C'est que Caio Perico. Il n'y a pas de problème entre les deux. Pourquoi tu veux un problème? Tranquille, moi, c'est moi le problème. C'est déjà beaucoup. Ah si, moi, je règle les problèmes aussi. Tranquille. Alors, une, deux. Il voit après tout le monde, il va me passer pour voir. Ok. Non, il a passé une soupelette vite fait, la bonne. Ok, tout vient de chier là, c'est rien. Ah, d'accord, toi. Je vais te laisser là comme un connard. Réponds-moi, Bendelo. Oh, il est soif. Ok. Ouf. Ah, si, c'est dur de travailler, toi, vous. Hein. Toi, vous, c'est dur.
toi, pas l'habitude, toi. Qui? Mais. Ah. Ah. T'as vraiment une tronche d'âne, ça c'est sûr. Mais je t'adore quand même, toi le meilleur. Oh, t'as cru que c'était quoi, là? Merde. Oh! Pocator. Attends, qui tu m'as dit quoi, là? Allez, dis-moi. Allez, Diego. Tu rêves, le mon con. Ah, oh putain! Oh bordel! Ah putain de merde! Oh bordel! Bah. Putain, ma Gustavo, il y a des cochons qui se baladent! Si, tranquille, c'est moi qui qui les a libérés, tu vois, tranquillo, c'est mes collègues. Mais à la mano, comme on pourrait dire. Oh putain. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Il date, toi, il faut tous les petits groupes en ville, ils ont des couleurs. Il me plaît bien voir un petit groupe vert, là. Une de mes couleurs préférées, ça aussi. C'est... Là quoi, c'est le troisième truc. Je regarde un peu tout à l'heure, tu as l'habitude de t'abaisser comme ceci, c'est incroyable. Ah si, bah toi aussi, hein, regarde. C'est l'impression que tu sais même pas emballer dans le cul que tu l'as, mais c'est carrément le placard emballé. Ah si, d'accord. Si on a ça, n'oublie pas que c'est grâce à moi, grâce à ma prata, et moi j'ai travaillé. C'est toi, tu tournais le balai dans ton cou. Blablabla. Si, d'accord. Range de couille. Pantero. En vrai, pas besoin de masque avec ta tronche directement. Tu l'as vu la tienne, pour, quoi. Merde. Ah, si, moi tranquillo, moi. Les... Je trouve de la puta, mais bonne, c'est de la patchole pas flèche. Non, toi, tu trouves de la moule pas flèche, je ne comprends pas. C'est vrai. Ah, si, mais bonne. C'est merde. Étiquette à l'étompeuse, hein, bonne. Ah, mamie, à quelle beauté, mais bordel que ça poue. Ah si, ouais, c'est la vérité, hein. Merde. Quoi? Tu as déjà goûté de la moule pas fraîche? Non, je n'ai pas goûté de la moule pas fraîche. J'ai toujours été fraîche, pandelo. Il aime bien quand c'est un poquito jeune aussi. Une espèce de trou de queue. Pourquoi? Être le meilleur, non? Merde, tu as vraiment l'esprit, comme on pourrait dire, le... Ah, bah, t'as un obsédé sexuel. Ah si, moi, je serais un obsédé sexuel si je n'avais pas la coca. Il y a la coca, c'est ce qui me canalise. C'est... Pourquoi tu ne tentes pas de faire des films l'extravagant? Je te verrais bien, avec un globe balai dans le cul. Ah non, moi, ce serait Mi qui mettrait le balai dans un cou de quelqu'un. Merde. Et le mien de balai... Bonne, voilà quoi. Blabla. Et allez, travaille. Ça fait ça que travailler, trou de queue. Allez, travaille. Si, voilà, comme ça. Ah, là, c'est bon, ça. Ah, si, comptez-nous. Attends. C'est pas ça, Pandelo. Connard. Vous êtes fou, je te jure. Je sais. Il me casse, il prend la voiture. Démerde-toi. Ne fais pas ça, c'est pas ça, de Dio, là. Non, tranquille, il était là. Viens voir, je te le montrerai. T'as réglé ça avant pour rire, c'était fait à toi. Bouh. Attends.
Attends, je vais déposer ça si j'arrive. Un coup de pollos, un coup de pollos. Un coup de pollos, on fait marcher un pâteau de là. Mais se coucher dans une buissonne. Oh putain. Allez, mais attends, j'allais faire. Mais... Putain, je vais me faire piquer en deux, quoi. Et voilà, la voiture, elle s'est arrêtée ou qu'elle a continué à descendre? Ça, c'est, elle a fait marche arrière, elle s'est arrêtée tout peu dans notre véhicule, logiquement. D'accord. What? c'est pour ça que je voulais faire un truc avec eux. Putain. Je relevais que de la gueule, elle est toujours positionnée. Il faut que tout le monde se balaye et voit un peu de danger, je pense. Putain de merde. C'est tranquille, il y a une tenue dans mon sac, d'accord. Il met calte un petit peu. Et il va tourner, tranquille, il y a lieu. Sérieux ou les flics? Ouais, c'est les téléflics, je sais pas comment ça se fait, tu vois, sérieux. Mais c'était vraiment des flics, il y a vraiment des flics, hein. Il y a vraiment eu des flics, tu vois, putain. Tu vois, regarde, j'aurais pas fait le con avec ma radio, à 10 secondes près, ils m'auraient pris en train de me poser dans le coffre, j'étais mort, tu vois. Vraiment. Tu vois. Merde, à quelques secondes en plein, franchement, je me faisais péter directement. Gustavo, tu es où? C'est tranquille, j'ai fait mon jogging. Je vois rien que les armes, c'est chiant. C'est une blague là. C'est une blague, sérieux. Mais non. C'est le polios qui tourne autour de moi, et déjà là que je suis caché dans un endroit improbable.
Kilo, ils viennent de me parler la Guardia, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas répondus. Putain, mais genre. Le manque de chance là, le manque de timing là, truc de fou. Vraiment incroyable. Voilà, tu as bien vu la voiture de la Guardia. C'est beaucoup là. Elle est venue me parler, tranquillo. Si, tout au cachou, toi. Je suis en compte le. Je suis en hauteur, je te fais passer toi qui marches tranquillement. Normalement, tu le gars là, ta gauche, il y a des lochers avec un arbre. Je suis caché ici. Si, d'accord. Bouillez pas, je vais faire un tour et y arrive vers toi. C'est chaud, hein? Putain, j'aurais pu me faire péter en beauté, quoi. Quelques secondes près, quoi. Oh, t'es incroyable. Moi, j'aurais eu le seum, surtout. Clairement. Mais là, j'ai eu de la chance, ils sont passés là et tout. Ils ont tourné ici comme ça, là. Putain, j'aurais eu de la chance, ils m'auraient vu courir là, c'était fini, quoi. Putain, je sais pas comment. Putain, ils ont un coup de chance, hein. Parce que je suis ici, le bordel, il est ici, quoi. Parce que déjà ils ont fait marche arrière quand ils ont vu le véhicule, à mon avis ils doivent connaître l'endroit. C'est pas possible. Bah ils m'ont vu vite fait entre deux, je sais pas. L'agence immobilière est ouverte. On est sur Twitter mon ami. Et ils ont pris la voiture là. On n'a plus de voiture là. Ils ont fait joli, je t'expliquerai. Si tu peux me récupérer, je t'expliquerai comment ils sont arrivés. Tu vois la complot. Et mais en fait, je les ai vus au moment où toi tu parlais et je t'ai redit, mais sauf qu'ils parlaient pas très fort, tu vois. D'accord, donc, bah, malheureusement que j'étais en train de faire le con, parce que je suis pas en train de faire le con, je me suis fait plomb direct. Je les ai vus, ils ont fait marche à l'IA appeler directement. C'est plaisir, c'est qu'ils connaissent l'endroit, c'est pas possible tout le monde. Je pense, mais après, ils ont peut-être attrapé un wagon qui travaillait dessous. Et bon, ils ont trouvé Je de la pense coca aussi. sur lui. Hein. Ouais, à mon avis, je pense qu'ils ont l'endroit, je pense. Je pense, hein. Je suis pas totalement sûr, mais. Je pense. Du coup, on n'a pas pu faire le défi là, draguer le serveur pour faire rien, s'il te plaît. Putain, c'est dommage, ça aurait été marrant, hein, tu vois. T'imagines, on est en train de faire le con, il serait arrivé, il nous aurait braqué haut les mains. Oh, il y a une voiture, lui, y arrive. Ça aurait été énorme. Allez, t'en veux parler-t-il tôt ou pas? Je sais pas, mais je te le dis, je pense qu'ils connaissent l'endroit ou quelque chose comme ça, parce que s'ils m'auraient vu partir, ils auraient cherché aux alentours, je sais pas, enfin bref. En tout cas, ils ont fait marcher là dès qu'ils ont vu la coacher. D'accord, c'est pas un bon truc qu'on mette les coachés devant comme ça, d'accord. Voilà, s'ils ont pris le véhicule, tout ce qu'il y avait dedans, c'est pas un bon truc tout court, oui. Et tranquillo, appelez tranquillo, c'est pas très grave.
Allez, descends sur la lotte, je suis en train de venir. Descends, je suis là. C'est toi la voiture? Et c'est moi. Normalement là c'est oui, j'en ai que là sur moi. Ah oui, j'en ai 50. Ah bah c'était pas pour toi normalement là ça. Putain, on a de la chance. En tout cas là, laisse tomber là, là. Te bougez bien ton petit boule à un moment donné, un courrier. Dis-moi tranquille. Les mettre max c'était un tout poquito. Et ton troupe de prendre des balais dans le cou, moi c'est pas le bien. C'est dommage, les cops sont arrivés, ça a tout gâché quoi. Je voulais savoir si je connaissais le propriétaire de la ferme. Et lui il dit non. Bah, attends, j'attends pas trop ce que tu dis là. Tu me l'expliques là. C'est d'accord. Mais c'est dommage, putain, il serait pas arrivé, putain, ça aurait été bon de lire. Ah, tu imagines? On vient d'avoir la coque, on s'est pété dessus. Ah, ça l'a fait des directs. Ah, peut-être une chance qu'ils nous ont pris, parce que là, c'était la miel. Là. Il manquait pas de blanche, je te promets. Ah, vraiment, il... Franchement, on a vraiment eu une chance inouïe quand même. Hein. Clairement, on n'a même pas pu faire un petit peu le con. En plus, on était en train à fond de déconner. C'est ouf. La balle de merde, on a eu de la chance. C'est moi qui te le dis. Eh, mais tranquille. Et du coup, ça devrait nous en faire 450 de feuilles de coca. Bah merde, alors, qu'est-ce qu'on a fait en plus? Non, là, en droit, on a voilà. Si, ah. On en a que... Si, tu es sûr d'avoir déposé les tiennes. Si, je viens de les déposer, les 50. Parce que moi il voit pas les 50 en plus. Hein. Ah, j'ai tout le problème que je viens de les poser. Hein. Si, d'accord, c'est pas grave. Bon, ça nous en fait que 400. Du coup. Écoute, les bikers ils sont dispo. Si, bah, bon, on est que dos. Tu veux qu'on y aille tous les dos? C'est là, on peut aller voir un peu ce qu'ils ont lundi là. Et d'accord, par contre, moi, je parle pas, hein, tu vois, là... Ça, c'est d'accord, là. Tout un truc à boire pour moi, parce que sinon, je pense qu'il va tomber. Non, après, au pire, on passe une supérette et... Gracias. Putain, en tout cas, j'ai eu le bon œil. Si, hey, ça te met bien une bouteille d'eau, j'adore, c'est frais en plus. Il y en a encore pas de l'air. Si, c'est vrai, merde, il est pas bon.
On a eu de la chance, putain. Ça, bah, vas-y, allez, ils sont sérieux, hein, demandez ça, là, je vais pas le balancer ça directement. Là. Pas de merde. Là. Tu vas revenir. Ça, c'est. Attends, mais quoi, là. Putain de merde. Ah ouais, mais c'est. On voit un point, on arrive, ouais, mais. Balancer ça aux yeux de tout le monde quand même. On va y appeler mon sac, il y a un sac. C'est à nous. Ça c'est, je l'appelle aussi. Ah là, les flocos, c'est nous, on donne la position. C'est... Je leur demande qu'ils me donnent un numéro de téléphone là, parce qu'il faut que je balance la position à l'intérieur. Là. Je retiens le téléphone. Ah, je sais pas, ça marche en pause. 48-42-193, hein, on est d'accord. C'est 48-42-193. C'est vrai, c'est trop une andola. Si, tant qu'il y a une andola, en plus on sera abrité. Un petit rendez-vous vite fait en 2-2. Je suis désolé, j'aurais bien voulu faire ce que tu m'as demandé, ça aurait été drôle en plus. Mais en plus, je vais déposer ce que j'avais quoi. Putain, merde. Mais vraiment un coup de chance, hein, putain. Après, c'est le jeu, hein. Ça fait péter, ça fait péter. Hein. Comme ça. Ça aurait été beau. On attend les clés depuis un bail, on a les clés, boum, on se pétait. Fédéral, voilà, hey, rien de mieux pour commencer.
Putain de merde. Mettons un peu plus devant, moi, mais un peu plus de derrière. Comme quand tu es derrière moi, j'ai l'impression que tu vas faire quelque chose non, de bizarre. Non, c'est pour ça il me décale. Vas-y, un peu sur toi-même tes plateaux, ça peut être la place qui se place. Et qui est avec ton truc là que tu rentres dans les cochons tous les soirs? Ah, mon ami, c'est ce que j'ai entre les légendes de franchement. Ah, même, comment il s'appelle, attends, que je me souviens. Loco, Free, machin, chouette, il était jaloux. C'est sûr, hein. C'est petit à trouver, si rare. Mais les départs de si précieux. C'est mon précieux, pas de merde. Si, d'accord. Par contre, si, on leur parle de quoi? On leur décalcule un moustache, écoutez-moi bien. Non, tranquille, on leur dit qu'on a de la coca à vendre. Si eux, ils en veulent, on voulait en fournir la semaine prochaine. Et c'est aujourd'hui. Ouais. Tranquille. T'as fait juste un truc parce que... Voilà, c'est sûr que c'est pas là. Je sais pas, j'ai un souci, j'entends pas bien les gens. Sors. C'est bon là. Sors. Ça va et vous? D'accord. Ah ouais? Eh ben, mais. Bien entendu, je pensais pas que vous allez arriver directement avec les gros calibres. Hein? Je disais, je pensais pas que vous allez arriver directement avec les gros calibres. Oh, on sait jamais. D'accord. On se plaisante, le CCP. Je pense que vous avez entendu parler de nous. Non. Pas encore. Ah, bizarrement, il me semble qu'on s'est levé tout cellulaire, non? Hier? C'est... Ouais, j'étais pas là, alors. En tout cas, les là, gars, ça vous dit quelque chose, vous, le CCP? CCP, non. On était pas lié au rendez-vous pour taper une centaine de pollos. Si, si, on était si. Là. C'est pas présentable, ce monde. C'est, mais bon... Excusez-moi, c'est joué en tous les cas. Ah, c'était vous avec les chapeaux et tout là? C'est ah, aussi. D'accord, ouais. Je vois mieux qui vous êtes alors. Si. Colin, parler un petit peu poquito avec toi. Ça fera un peu sur quoi tu travailles, etc., etc. Faire connaissance. Ouais, je vois, je vois. Tu sais ce que c'est, du coup, le CCP ou pas? Non, mais j'ai des petites idées, c'est pas le cartel Cayo Perico. Ça, c'est le cartel Cayo Perico. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais alors. Tu te doutes très bien qu'on n'est pas les... pas des bandits de bas quartier, de bas étage. Ouais, ouais, je me doute bien. Ouais. D'accord. Après, vous vous doutez bien aussi que nous, on n'a rien à voir avec un petit gang de rue non plus. Ça, c'est. Du coup, vas-y, je te plaisante, vas-y. Honneur aux invités, hein, vous êtes les derniers arrivés en ville. D'accord. Moi, je suis Diego. C'est le gang de CCP. D'accord. Actuellement, mon fait, il est pas là, il est en Colombie. On est venu ici à Los Angeles parce que le commandant Carlo Perico était attaqué par l'armée américaine. Tant que ça se lance tranquillement, on vient sur Los Santos, continue un peu notre business. Ouais. Et on parle de quel business là? Si je te dis la Colombie, à ton avis, tu crois qu'on fait quoi en Colombie? Cocaïne? C'est. D'accord, mais vous êtes pas les seuls là sur la cocaïne. C'est un délire. moi je sais qu'il y a d'autres personnes qui traînent sur la cocaïne en ce moment. D'accord. C'est un léger détail, ça. Je vois un peu de qui tu parles, mais bon. Je pense qu'il faut que chaque personne laisse à sa place. Parce que toute la cocaïne qui arrive à Los Santos vient de Colombie et ses alentours. Si nous, on le fournit peu, mais il n'y a plus rien à Los Santos. Après, ça, c'est à toi d'aller leur dire directement aux personnes concernées. C'est. Du coup, dis-moi, et toi? Tu travailles dans quoi? Nous, on a plusieurs facettes. On fait dans l'opium. C'est. Et on vend des petits jouets d'airsoft, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment petit jouet. Petit, grand jouet.
accessoires pour ses petits jouets, ses grands jouets aussi. D'accord. 10 000. Ouais. Peut-être pas être indiscret, mais tu fais toujours tes rendez-vous, le masqué. Moi, je suis toujours masqué. D'accord. Que ce soit avec d'autres groupes, avec les flics ou même avec mes gars, je suis toujours masqué. Tu peux leur demander derrière, ils ont jamais vu ma tête. D'accord, c'est bien. D'accord, d'accord. Après, mes gars, c'est à eux de voir s'ils veulent venir masquer ou quoi. Mais généralement, le premier rendez-vous, on préfère toujours être masqué. Ça, c'est nos problèmes. On sait jamais qui on a en face. D'accord, donc les petits jouets que tu le vends de la soft. Tu as quelle gamme ? Pistolet, Maca, LZ, etc. J'ai tout. D'accord, tu les tarifs à transmettre ou pas ? On a un petit lien Darkshot si tu veux. Où tu auras tous les tarifs, tu passes ta commande dessus. Ça, et nous on va pour te livrer. Tu peux le donner à celui du chapeau, il va le planer. De quoi ? Tu peux donner le Darkshot à celui du chapeau, il va le planer, le noter. Faut qu'il me donne son Darkshot@discord. Et je lui enverrai. Quoi ? Ah, si, d'accord, d'accord, il comprend. Ah, il veut voir. D'accord. Et vous, vous êtes. Vous avez un petit QG, un petit quartier ? Ça, c'est. Ça, on fait là plus tard, en tout cas. On est là pour business, on n'est pas là pour boire le thé ensemble ou je ne sais trop quoi. Ouais, non, mais pour savoir, moi je vais vous dire notre zone d'effet, on va dire. Comme ça, vous c'est vendez pas dans, mais nous on vend pas chez vous. C'est après, tu sais, j'ai pas attention de vendre dans la rue, hein. L'autre chose est plus important à faire. Ouais, je pense, c'est jamais. Je t'écoute. De quoi ? Bah, t'as la zone où tu le vends. Nous, c'est tous les alentours, donc là, t'es pratiquement sur notre territoire. Mais c'est tous les alentours, le port qui est vers là-bas. C'est... Et toute la zone industrielle là où il y a l'armurerie. C'est... Voilà, là c'est notre zone de vente. On veut voir personne là-bas. C'est... Et dis-moi, tu serais intéressé à un moment donné d'avoir de la cocaïne, ce genre de choses. De quoi ? Tu serais intéressé d'avoir de la cocaïne pour vendre ? Bah, comme je t'ai dit, nous on est sur l'opium. La cocaïne, on y était avant, ça nous a pas plu, ça nous a saoulé. D'accord. Du coup, on s'est rabattu sur l'opium et comme ça, les vagos retrouvaient leur petit business à eux. Ça, c'est. Parfait, t'es. On a pas l'opium, ah ouais. Après, nous. Nous, si tu veux, il nous reste. Je crois qu'il nous reste des restes de cocaïne dans un entrepôt si tu les veux. Ça, c'est-à-dire, tu les veux, tu me les donnes avec la truc comme ça ? Non, bien sûr que non. Business is business, comme tu dis. Ça, c'est. Mais cool, donc, à voir si ça t'intéresse. Ça, on verra peut-être par la suite, on verra bien. À un moment donné, tu fais là l'effet, tu veux là plus en détail avec lui. Ouais, de toute façon, moi non plus, je suis pas le président de mon club. Hein. Je suis que le vice-président. D'accord. Et du coup, à part l'airsoft, l'opium, rien d'autre. Pas de. Peut-être l'extrême gant, le cage. Ah, rien d'autre. Après, nous, on n'a pas vraiment besoin de braquer, on va dire. D'accord. Dis-moi. Comment dire là? Mais il n'y a plus personne qu'on doit le voir au sein de Los Santos à tout hasard, je sais pas. Bah, je sais pas, t'as vu qui ? Moi, j'ai vu tout ce que j'ai vu il y a, entre guillemets, la jolie petite sauterie qui est lui. Ouais, non, je crois pas. Tu sais comment te procurer les clés et tout ? Pour si, les entrepôts. Ça, t'inquiète donc pas. Si. Ok, donc c'est bon, t'as plus personne, je pense. Bon, en tout cas, j'ai pas la connaissance d'autres personnes. C'est les 10 mètres de tête comme ça, tu sais combien elle me dit le prix d'un pistolet ? 27. Attends. Je vais dire ça, attends. Parce que les prix ont changé.
33 750 en propre. Putain de merde. En propre, bien sûr. J'espère qu'elle est de très bonne qualité. Ouais, mais bien sûr. Et juste pour information, nous on prend les paiements le mercredi et votre commande. Et on vous livre le samedi. Comment ça là? On prend le paiement le mercredi et on livre le samedi. Tu peux pas livrer avant? Non. Pas pour l'instant. Là, on essaie de voir si on peut changer de fournisseur pour pouvoir livrer plus vite. D'accord. Pour l'instant, ce sera mercredi, le paiement samedi, la livraison. D'accord. Perfecto, perfecto. Du coup, c'est qui m'envoie son Darkshot là? Si, Secondo, prends-le, parce que comme ça, au moins, toi, tranquille. Toi. Non, mais comme... Fais-le. Et t'as quoi de l'eau? C'est quoi que tu veux, Deya? C'est ton darkchat@discord. Oh putain. Et si, pas, c'est ton nom, si c'est ton nom prénom, t'inquiète, il sera masqué. Et t'as quoi de l'eau? Si, bah Gustavo Salamanca, señor. Allez, je t'envoie. C'est quoi ça? Si, gracias. Tu n'utilises pas le darkchat, le truc plein plein. Ah si, moi, attends, en Colombie, il n'y avait pas de téléphone, rien du tout. C'est normal, c'est laisse tomber, c'est le... C'est pas grave. C'est pour ça qu'il était dit de le faire. Et ouais, tranquillo. Mais bah, attendez, un Dark Shot fait téléphone, quoi, tu te balances un truc Discord. J'ai envie de découvrir. Oui, d'accord, c'est très bon. C'est normal. Le parfait, toi. Normalement, t'as reçu. Si, c'est bon. Merci, Seigneur. Et qu'est-ce qui serait parfait? Parce que du coup, j'étais dans mon boîtier Darkshot là, j'ai pas entendu. Si, non, tranquillo, il y a le sou, il y a le gars. Ouais, pas de soucis. Je pense que c'est trop, on a fait le tour des choses intéressantes. Du coup, le tour là, le feu qui te contacte là, peut-être pour discuter un peu plus dans le business, pour certaines choses, pour certains petits soft ou autre. Ouais, il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire en sorte que le président soit là aussi, comme ça il parle de chef à chef. C'est. Putain, ça fait du bien quand il arrête de pleuvoir là. C'est, je suis tout à fait d'accord. Mec, il est dans son téléphone, dans son truc, avec les bras, enfin. Je dis rien. De colonne. C'est bon, tu vas trouver ce que tu veux. Je crois qu'il est en train de regarder le menu là. Ah si, c'est un bon menu, moi il aime bien ce qu'il y a de proposer. Ouais, et juste pour information aussi, quand je vous dis qu'on doit changer de fournisseur, c'est que pour l'instant il nous fournit plus de chargeurs. Je sais pas pourquoi. Comme je vous dis, on est en train de changer. D'accord. Si après là, je pense que pour le début ça va être essentiellement du petit calibre, 9 mm, etc. Ouais, j'imagine. Peut-être des petits couteaux, etc. pour si on a des petits problèmes, mais bon. On verra ça. Je vais parler en effet. Et voilà. C'est... Ouais, y a pas de souci, d'accord. Bah écoute. Juste le numéro qui m'a contacté tout à l'heure, je mets quoi? Ouais, tu peux le mettre. Tu le mets Diego si tu le veux, y'a pas de problème. Diego, ok. Bon, bah si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Hein. Si, signal, vous qui travaillez dans les Almes, pour l'effet, c'est mon tio, mon oncle. Je chercherai une arme particulière pour lui. Ça serait un pistolet double action avec des dorures dessus, un peu doré, etc. Ouais. Si jamais vous avez un calibre comme ça qui traîne, pensez à nous. Moi, je serai preneur. Ouais, y a pas de souci. Ben, je verrai avec mon fournisseur s'il peut m'en fournir un ou deux. Si, d'accord. Ça marche.
T'inquiète, pas de soucis. Gracias, c'est gentil. C'est bon pour vous les gars ou vous avez des questions à leur poser? Non, pour moi c'est bon. C'est tout bon pour moi. Perfecto. Bon, bah, en vous souhaitant une bonne soirée. Ça, c'est oui. Vraiment. Allez, bonne soirée à vous les gars. C'est à plus tard. Se taper le mur. Gustavo. Si, c'est tranquilo. Dis-moi. Tu l'as comme là, il vient de taper le mur, je sais pas le fou. Yeah, il est pas entendu. Tu es en train de le rouler là, vraiment? Ah si, pourquoi? Merde, bordel! Ça c'est Lolo le Tinkert. Ah si, d'accord. Tu as un problème avec. Ça, c'est... Si, ouais, d'accord. Dis-moi, elle est. Enfin, non, les gens ils sont trop bizarres, ils sont trop bizarres. Si, mais bon, tranquillo. Ouais, en fait, ça m'a coupé dans mon délire. Le mec il m'a sorti un truc Discord et tout, ça m'a tué sur place. Quoi. Je sais même plus quoi dire. Quoi. Je sais pas, tu crées un dark chat avec le téléphone en fait. Pourquoi faire un. En plus, ce mec il dit ouais, si t'as le. Enfin, je sais pas. On va se caler tranquillo là, on va aller s'échanger, d'accord? Parce qu'il a vu qu'il me suivait, il voulait m'arrêter plus haut, mais il nous suivait. Vas-y, sans de toi tranquillo. Putain, lui. Bon, y'a plus rien qui marche ou quoi? Je crois qu'il y a un souci. Et je crois qu'il y a un problème. Hein. Ouais, j'aime bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait, c'était trop bizarre. Je t'attends, ouais, t'inquiète d'abord, je sais pas pourquoi ça fait ça là. J'ai de plus en plus de trucs comme ça ces temps-ci, dès que, alors que je vide mes caffes ou je fasse un truc quoi. Bah, Fabien, pourquoi il s'en sort pas là?
ce bordel là. Merde, tout mon merde là. Tu es là? Ça, ça, ça. Tu n'as pas de problème? Non, moi, t'as l'enculo, hein. Voilà, alors tout bon pour qu'il te l'ait. Quoi là? T'as dit? Tout bon pour qu'il te l'ait pour les Allemands. Ça c'est, je l'ai écouté un petit peu et tout, j'ai pas eu le temps de regarder plus de détails. Si, mais si, t'as pas tout dit. Non, non, il a pas tout dit. Et ben alors, on nous dit c'est 75 000 dollars. On commence 90 000. À Kaou, c'est 112 000. Un G36 c'est 343 000. Gusenberg 243 000. AK-47, accroche-toi, 312 000. C'est une mauvaise clause. Un C4. Un C4 c'est 100 000 dollars. 104 000, pardon. Pour le C4 est... C'est un C4 et un détonateur, 100 000 dollars. Une grenade c'est 62 500. Si, on peut se balader avec des grenades ou que des AK-47 hein. Ah si, tu fais tout exploser, hein, mais bonne. Ça fait shell de tout exploser pour le 62 000 hein, pour le coup. C'est... Et après, une batte c'est 3125, une bouteille pareil. Club de golf pareil, marteau pareil, hache pareil, poing américain pareil, couteau pareil, machette pareil, grand arrêt c'est pareil, clé à molette c'est pareil. Après, pistolet, 9 mm c'est 33 750, Tech-9 43 000, cocktail molotov 3 750, et après c'est les chargeurs, c'est à peu près 2000 le chargeur. Évidemment, tu sais quoi, c'est presque mieux de prendre une Tech-9 que une pistolette. Hein. C'est pas la faute. Si juste 10 000 de plus, c'est pour le 10 000, bon, voilà quoi. Ça au propre et je mettrai ça sur le frigo. D'accord? C'est un. Si tu le veux, je peux te donner le numéro de Calou. Tu l'as ajouté. Qui est le numéro? Batman il a mis dans le. Si tu veux, je te donne le numéro de le gras. Si, bah, si, attends. J'ai fait un truc et attends, bougez pas. Comme ça, là, au moins, tu mets tout le propre et tout ça, le perfecto. Numéro, vas-y, dis-moi. C'est 48, 42, 48, 42, 193. Attends. Hermano. Si, si. 193 à la fin. Hein. 193, oui. 1, 9, 3. Si tu sais pas. Du coup je peux le faire stamp, tu trouves un 4, un 8, un 4, un 2, un 1, un 9, un 3.
Perfecto. Si c'est le milieu tout dessous, être le bon. C'est parfait. Oui, je veux te laisser, je voulais me le poser. Quel est plus un œuf? Si, attends, moi je regarde. Si, il y a assez pour marcher une pétard, il m'en bat les couilles. C'est très bon. Il ne veut plus travailler, moi il veut une pétard et les voitures on en a là pour l'instant, donc tranquille. Hein. Ça, c'est parfait. On va faire attention à toi. Hein. Si, pareillement. Allez, bonne snap. Ça, c'est. Bon, on va arrêter là, les gars. Okay, on avait rendez-vous, après on peut plus rien faire. Hein. Déjà, bah là, ce qui est sûr, c'est que sur la coque, je sais pas comment on va faire maintenant, parce que... Est-ce que les cops, ils ont vu le truc ou pas? Mais en tout cas, ils ont vu le véhicule qui était rempli de cocaïne. C'est pas vraiment bon pour nous. Ça fait chier. On a pas de chance, hein. On a pas de chance, clairement. Là, on est avec les bikers, bon... C'est des choses qui m'ont choqué, quand même. Clairement. Volé volo. Donc, rendez-vous demain, mesdames et messieurs. Alors, en espérant que demain, ce soit mieux. Hein, clairement. C'est qu'on puisse faire plus de choses intéressantes. Que ce soit du côté illégal comme du côté civil, clairement. Hein, ça serait bien. On va bien voir. On va se quitter en musique comme d'habitude, les gars. Bon, ça aurait été un live 1h37. Je suis désolé, c'est court, mais ça sert à rien. Je vais pas tourner en rond. Ça sert à rien. Vous allez vous ennuyer. En tout cas, on a rigolé à un moment donné avec Babar. C'est dommage que les cops qui sont arrivés parce qu'on partait dans la connerie. C'était pas mal. Et puis, volé, volo, quoi. Hein. Quand merci pour les personnes qui ont lâché des flots, qui ont lancé un raid. Ça fait plaisir. Merci pour ceux qui ont participé sur le chat, qui étaient là. Ça fait toujours plaisir à vous. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À demain. Ciao, ciao. Pour toi, Babar. Oh, Babar, t'as le bonjour de Kiss. Oh là là, ouf. Salut, Babar. Bonne anastèse. Oh là là. Cortesi la vida loca, la plata pour Signor Guzman. Mimo dos Mona Lisa, on prend le billet pour l'Amérique. Hermano transac de cocaïna, merci pour les travaux et sur le mat. Le business de l'eau convainc toutes ces femmes, on trahit jamais la famille. L'équipe est complète, tu vas te manger par gâteau, on va dépouiller. La coca des cailloux va s'implanter déjà au pays dans tout Los Santos. A ton grand malheur, si tu joues avec ces coronets, tu vas décéder. Des gains de hombre, héros, des croix qui mènent dans ces Alejandro, espèce d'enfoiré. Hey, quelle danse ma latina, quelle danse ma latina. C'est primo dans tes oreilles, c'est primo dans tes oreilles. Cuando Perico, on débarque dans la ciudad. Para el patrón Guzmán, on met les mains dans le sac. Cuando Perico, on débarque dans la ciudad. Para el patrón Guzmán, on met les mains dans le sac. Depuis Pequeños, c'est la caille, s'y'a pas de putos qui se font rafaler. Sicario à la main, loin de cette ville, de puta madre. Depuis Pequeños, c'est la caille, s'y'a pas de putos qui se font rafaler. Sicario à la main, loin de cette ville, de puta madre. Nique sa mère et la vie d'avant, on veut les trésors, on prend de l'avance. Juste viens danser la samba, c'est primordial de faire les 100 pas. Ah oui, n'essaie même pas de rentrer dans l'île, ça va te canner, on va te pourrir. Tout pour ta bida, tu seras endetté, il connaît l'ombre de la caille. Les terres sont en danger, on fume la frappe des ténèbres. Dans tes duels, ça crie m'aider, elles se sentent en danger. Duel de Muar en Muar, ça pétait le labo de l'Omar. Pour toi, j'en ai marre de gifler dans les caves. Ils font le 911, c'est gros sur pour cave. Quelle danse ma latina, quelle danse ma latina. Pas de musique dans tes oreilles, Guzman de nom. Cayo Perico,
on débarque dans la ciudad. Para el patrón Guzmán, on met les mains dans le sale. Gallo Perico, on débarque dans la ciudad. Para el patrón Guzmán, on met les mains dans le sale. Depuis Pégueignon, c'est la caille, y'a pas de putos qui se font rafaler. Cario à la main, moi de cette ville, de puta madre. Depuis Pégueignon, c'est la caille, y'a pas de putos qui se font rafaler. Cario à la main, moi de cette ville, de puta madre.